Le prince William et Kate Middleton étaient à Cornouailles le 9 février. Le couple royal, prince et princesse de Galles, a eu droit à un accueil chaleureux. Un manifestant isolé a marqué ce premier après-midi de William et de Kate. William et Kate ont été chaleureusement accueillis à Cornouailles. Hormis l'intervention d'un manifestant isolé qui ne leur en veut pas personnellement, mais à toute la monarchie. Le 9 février 2023, le prince et la princesse de Galles, tous les deux 41 ans, visitent Cornouailles en couple pour la première fois. Dans son ensemble, la visite du prince William et de Kate Middleton s'est très bien déroulée. Comme à leur habitude, les parents de George, Charlotte et Louis sont venus secouer les mains de quelques sympathisants. Sourire aux lèvres, William et Kate ont dit bonjour aux gens qui sont venus les voir au National Maritime Museum Cornwall. Lors de cet après-midi de visite dans la ville portuaire de Falmouth, un élément perturbateur s'est immiscé dans la foule. Une personne tenant une feuille blanche a été écartée de la foule par la police. Le manifestant n'a pas été arrêté. Néanmoins, il a été tenu à l'écart jusqu'à la fin de la visite du prince et de la princesse de Galles. Plus tard, le manifestant isolé s'est adressé aux journalistes présents sur place, rapporte le Mirror. Nous sommes au 21e siècle et nous n'avons plus besoin d'une monarchie, a-t-il déclaré. Le Mirror rappelle que le prince William et son épouse Kate Middleton détiennent actuellement plusieurs titres au sein de la royauté britannique. William et Kate, le prince et la princesse de Galles se rapprochent des sympathisants après la mort d'Elizabeth II d'Angleterre et l'accession de son père au trône, le prince William devient l'héritier au trône. En même temps, il est également le prince de Galles et devient également duc de Cornouailles. Lui et Kate Middleton gardent en même temps leur titre de duc et de duchesse de Cambridge. Lors de leur passage au musée de Cornouailles, l'accueil par la foule a été particulièrement chaleureux. Des sympathisants leur ont offert de belles fleurs. Le prince William et Kate Middleton ont également pris le temps de discuter avec les jeunes. Sur un cliché, on peut voir la princesse de Galles faire un selfie avec deux jeunes filles.